Il y a fort longtemps dans un pays qu'on ne nomme plus la Septitude fédérée sous la coupole du roi Arthur de la coupe, une femme, une reine, Céridouène, mariée à un roi chauve, le chauve, dit le chauve, il avait un nom. Méba, je sais pas si on dit ça pour les femmes, un petit enfant. Qu'elle décide de le rendre intelligent. Avec une potion magique qu'elle prépare, qu'elle mixture pendant des semaines, des mois, et en fait il faut que ça bouillonne pendant au moins un an, une bonne année. Et pour surveiller la potion, elle demande un petit pâtre de surveiller la potion pendant un an, et aussi un vieil aveugle de surveiller la potion pendant un an pour en fait surveiller la potion. Et elle s'endort au bout d'un an, et ça c'est vraiment maladroit. Il n'y a plus d'enfants, c'était bien d'ailleurs, je racontais l'histoire aux enfants, mais vous êtes tous des enfants, et faites-le moi savoir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah d'accord, ouais. Mais, à partir de... Bon, et bien en fait, ce qui se passe, je vais vous le dire. Il y a trois gouttes qui doivent jaillir de la potion, et c'est l'enfant lait qui doit les recevoir et devenir très intelligent. Sauf que c'est Guyon qui se met sous les trois gouttes au moment où elles jaillissent au bout d'un an, parce qu'elle dort, Céridouène. Pourquoi elle dort, on ne le sait pas. Mais en tout cas, Guyon devient très intelligent, Céridouène se réveille juste à ce moment-là, mais trop tard. Et elle rentre dans une fureur noire, lui il le sait, il fuit, il se transforme en lièvre. Elle se transforme en louve, lui il se transforme en poisson, elle se transforme en loutre parce que c'est pratique dans l'eau, et lui il se transforme en oiseau, elle se transforme en aigle parce que ça va plus vite. Lui il se transforme en quoi? Hérisson. Ouais, c'est vrai que les... Non. Cherchez en dehors des animaux. Bon, on n'a pas le temps. En petit grain de blé. Et elle se transforme donc. En poule. Et elle gobe le petit grain de blé. Je sais pas comment ça fait. Ça gratte, ça trie et ça gobe. Et là, elle tombe enceinte automatiquement. Et au bout de 9 mois gestationnaires, elle en orbite. Non. Elle tombe enceinte, elle le fait naître. Et elle se prépare à le tuer à ce moment-là. Elle est toujours en colère. Hein. Ça peut... Une grossesse en colère quand même. C'est fatigant. Déjà que c'est fatigant, mais madame. Bon, et elle ne le tue pas parce qu'il est très 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 beau. Mais elle ne remplace pas le premier. Parce qu'elle pourrait, elle a un enfant beau, elle dit « Ah, mais c'est super !» Non, elle l'abandonne à la mer sur une barque en silicium. Non, sur une barque en... Ça, c'est dans l'informatique, ça. Sur une barque en osier, comme Moïse. Et ça donne... Oui, Il s'appelle Taliesin. C'est le bar Taliesin, c'est l'histoire du bar Taliesin. C'est pas parce que je m'ennuie, hein. C'est vraiment parce que j'ai des problèmes d'angoisse. Le voyage de Taliesin, c'est celui qu'on ne voit pas. On le ressent, on le devine, on le vit à travers le sang. On s'en souvient très bien. Enfant de la laideur, de la maladresse et de la colère des dieux, tu échappes au destin, la chasse t'a fait fermer tes yeux. Tu es le barde le plus merveilleux. Ah, t'as les signes, tu chantes comme un dieu. Mes amis, mon nom est Taliesin, j'ai le sourire aux lèvres. Je fus traqué et puis mis à l'eau, mais toujours je me relève. L'océan fut mon premier berceau. Le soleil, la pluie et le vent, mes premiers cas.
mini-poisson. Mini-poisson du plancton, ainsi que belle rosée. Dans ma bouche directement, je fus rassasié. Grâce à eux, je peux vous chanter. Les trésors des rois, les gnomes et les fées. Vous avez souffert aussi tout à l'heure ? Ou c'était quand même... Non, c'était bien. On ressentait bien. Ça m'a fait plus ça, vous. C'était chouette, c'était super génial. Antigone, vous avez vu Antigone ? Oui, oui. Antigone. Antigone. Trop bien. Trop bien. Non, c'est vrai, j'ai un visage comme ça un petit peu... Mais je le dis à l'intérieur.